Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la deuxième année collégiale parcours international option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre de la germination des graines, un chapitre de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, unité de la reproduction chez les êtres vivants. Mes chers élèves, lors de la séance précédente, on a découvert qu'après la fécondation chez les plantes à fleurs, les ovules se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruits. Dans cette séance, on va découvrir quel est le devenir des graines. Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Dans cette première activité, on va découvrir les types des fruits. On appelle fruit le résultat du développement de l'ovaire après la fécondation. On classe les fruits selon leur paroi et leur dehiscence en fruits simples, charnus ou secs à maturité sont de deux types. Les drupes, comme les pêches, les abricots et les amandes. Les baies, comme les tomates et les melons. Les fruits secs et dehiscents, comme les gosses, les capsules, les siliques et les follicules. Les fruits secs indéhiscents sont les akènes, les caryotypes, les samares et les glandes. Les fruits complexes sont le résultat de la transformation du réceptacle floral comme les fraises. Les fruits composés comme les figues, les ananas. Les fruits multiples comme les mûriers. Mes chers élèves, vous allez étudier la classification des fruits dans vos études supérieures. Mes chers élèves, vous savez bien que lors d'une promenade dans la forêt, en marchant entre les herbes, vous constatez sans doute que des petites graines secs et épineuses s'accrochent sur vos pantalons. Ces graines s'accrochent habituellement aux poils des animaux sauvages. Ces animaux sauvages assurent donc la dissémination des graines dans la nature, loin du lieu de leur formation. Cette étape de la reproduction des plantes à fleurs est nommée la dissémination des graines. Mes chers élèves, cette animation montre que les facteurs de la dissémination des graines sont le vent. Les akènes du pissenlit, par exemple, possèdent un papus de poils, comme un parachute, qui facilite la dissémination de ces graines par le vent. Les samares possèdent deux ailes qui facilitent leur dissémination par le vent aussi. Les animaux consomment les fruits et les graines. Les graines restent indigérables et sont rejetées avec les excréments loin du lieu de leur formation, ce qui assure leur dissémination dans la nature donc. Les follicules dehiscentes, comme les gosses, où les cônes des conifères s'ouvrent et projettent les graines sur le sol, ce qui assure leur dissémination. L'eau emporte des graines aussi. Comme récapitulation, le vent, les animaux, la dehiscence des fruits et l'eau sont les facteurs de la dissémination des graines donc. Alors, maintenant dans cette activité, on va découvrir quels sont les constituants des graines. En réalisant la dissection d'une graine de haricot séjournée dans l'eau, on constate qu'il est constitué d'un tégument qui protège les autres constituants, de cotylédons riches en réserves nutritionnelles, une plantule ou embryon qui est constituée des préfeuilles, d'un bourgeon, une tigelle et une radicule. La plantule se développe en plante lors de la germination de la graine. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir quelles sont les conditions de la germination des graines en réalisant les expériences suivantes. On sème 10 graines d'haricots dans 4 milieux différents. Dans le milieu 1, on place 10 graines d'haricots dans du coton imbibé d'eau sous un air ne contenant pas de dioxygène et sous une température de 25 degrés Celsius. On constate qu'il n'y a pas de germination des graines d'haricots. Dans le milieu 2, on place des graines d'haricots dans du coton imbibé d'eau et dans un air contenant du dioxygène et sous une température de 25 degrés Celsius.
on constate que les graines d'haricots germent. Dans le milieu 3, on place des graines d'haricots dans du coton imbibé d'eau et sous un air contenant du dioxygène et sous une température de 0 degré Celsius. On constate qu'il n'y a pas de germination des graines d'haricots. Dans le milieu 4, on place des graines d'haricots dans du coton sec et sous un air contenant du dioxygène et sous une température de 25 degrés Celsius. On constate qu'il n'y a pas de germination des graines d'haricots. Donc, les conditions de la germination des graines sont la présence de l'eau et de dioxygène et une température de 25 degrés Celsius. Et maintenant, observons cette vidéo qui visualise le mécanisme de la germination d'une graine. Lorsque les graines s'imbibent d'eau, le tégument se gonfle et se déchire sous la pression de la radicule et de la tigelle en croissance. La radicule pénètre dans le sol, la tigelle et les prépuces saillissent hors du sol. Ce diagramme montre que durant la germination, la masse des cotylédons diminue et s'atrophie, alors que la plantule augmente de taille et s'accroît. En effet, la plantule se nourrit des réserves nutritionnelles dans les cotylédons durant la germination. Après l'ouverture des feuilles et la formation des poils absorbants, la nutrition de la plante devient autotrophe. La plante s'accroît et développe des fleurs, puis forme des graines pour boucler le cycle de développement des plantes à fleurs. Et maintenant, dans cette activité, on va réaliser le cycle du développement des plantes à fleurs en glissant chaque élément reproductif dans la case convenable. Les plantes fleurissent des fleurs qui sont des appareils reproducteurs. Les fleurs contiennent des étamines et des pistils qui sont respectivement des organes reproductifs mâles et femelles. Les étamines et les pistils produisent des gamètes sexuels. Après la pollinisation et la fécondation, se forme le zygote. Le zygote donne naissance à la graine. La graine germe une plante. Dans ce deuxième exercice, on vous demande d'amener chaque étape de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs dans la case convenable. On commence par la germination, puis la floraison, puis la pollinisation, puis la fécondation, la fructification, la dissémination et la germination puis la croissance. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.